Salut à tous, c'est Seb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Race Room. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Cette fois-ci, j'ai pris le plugin SRS, Sim Racing System. Une petite course sur Portimao en GT3. Donc, je me suis qualifié, je ne sais plus, 7ème, je pense. Ça doit être ça. On va partir pour 20 minutes de course. Hop. Huitième, je suis. On est pas mal. 13ème. Ça tape un peu, ça va. Ça reste droit. Allez, on a perdu deux places dans la bataille. Ça se décale déjà derrière. On a dû se prendre un drive through, je pense.
deuxième. Ouh, ils sont là, 6 secondes. Ah, les virages là, pas vu. Accélération. Est-ce que ça passe?
Non, c'est pas passé. Allez, j'en profite un peu. Prochain half-track, je me tape une pénalité, ça c'est sûr. Je suis arrivé trop vite. Septième, il reste 5 minutes.
j'aurai du mal à gagner des places. Hein. Je suis sûr que je fasse attention encore, je l'aime. Ça revient fort derrière. Ça, c'est l'épée à la réaccélération. Si vous ne connaissez pas bien le système SAS, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous voulez plus d'informations. Si vous n'êtes pas en team, eh bien, ça permet quand même de jouer contre des gens. Alors, bien sûr que vous ne connaissez pas, mais en tout cas qui essayent de rouler propre. Alors, je ne garantis pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des sessions. Mais... Forcément. Mais bon. La dernière course que j'ai faite, c'est plutôt pas mal. Alors, il roule beaucoup mieux, Roberto. Si je viens pas travailler le setup, il y a des portions où je peux passer plus rapidement.
vibreur ici. Saleté de vibreur. Si je fais pas de bêtises. C'était bien sympa de revenir un peu sur Restroom. Seventh position. Okay, it's over. Petite étude de place, je la prends. Voilà, bon, en tout cas je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, bonne journée.